Richesse des landes, les tourbières, ces zones humides colonisées par la végétation sont un milieu naturel très varié et très sensible. L'une d'elles, parmi les plus remarquables d'Aquitaine, se situe près de Dax, les tourbières de Metz. Elles viennent d'être entièrement rénovées et s'ouvrent au public. Patrick Panier et Laurent Montiel. Un long et fastidieux chantier de plus de 20 ans mené par les gestionnaires du site des tourbières de l'Estanque et la satisfaction de retrouver en très bon état de conservation sur plus de 3 hectares les sphaignes, ces mousses en tapis superposés, un milieu éponge propice au stockage et à l'épuration des eaux de ruissellement. On voit la partie vivante de la sphaigne ici verte et la partie morte qui, en fait, qui restera dans la tourbière sous forme de matière organique qui ne va pas se dégrader. Et c'est en fait cette espèce-là qui va constituer la tourbe et qui va être l'architecte de la tourbière. Historiquement, le fonctionnement hydraulique de cette tourbière a subi de multiples atteintes au fil des siècles. Drainage, plantation, exploitation de la tourbe pour le chauffage. Il a donc fallu réaliser des travaux de restauration hydraulique, des barrages seuils et de gestion de cette végétation si particulière. Comme réservoir de biodiversité, on va trouver dans les tourbières, du fait des conditions très particulières d'acidité, d'engorgement en eau notamment, des espèces qu'on ne va trouver que dans les tourbières. Par exemple, les plantes carnivores qui vont pouvoir se développer dans les tourbières, milieu très pauvre, en allant chercher de la nourriture ailleurs, par exemple en capturant des insectes, ou d'autres espèces comme les sphaignes, les vinaigrettes, qu'on ne trouve que dans ces milieux-là. Soutenue par la région et l'Europe, la commune de Metz a mis la main à la poche pour financer des travaux d'accessibilité et d'aménagement du site, afin d'admirer notamment le lys des marais, les sphaignes plusieurs fois centenaires et l'incomparable faune des tourbières. Nous avons des aides toutes les années, nous faisons des travaux en régie communale, et voilà, mais pour nous c'est une fierté parce qu'on nous connaît maintenant au travers des tourbières. Selon les scientifiques du Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine, les tourbières de Metz sont de véritables reliques boréales que même le réchauffement climatique ne pourrait assécher.